L'Égypte a ouvert la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. La République démocratique du Congo, concernée dans son groupe, aux côtés du Cap-Vert ainsi que du Rwanda ou encore de son adversaire du jour, la Zambie, a fait une bonne impression dès l'entame. Une équipe collectivement assez forte, Kambeni, Ngoulou, Newcastle, Bourgard ou encore Bouiti, une équipe qui a fait preuve d'une maturité irréprochable. Portant ainsi Chitombi à un match exceptionnel pour une victoire de 21-40 à l'issue du temps réglementaire. Par-dessus son expérience, il y a aussi la lecture instantanée de savoir-faire de son sélectionneur qui a eu deux mots justes à chaque fois pour galvaniser ses poulains quand il s'est senti en difficulté à chaque arrêt de jeu. On joue. Non mais c'est pas ça. Il faut qu'on soit beaucoup plus dans la percussion. Les mecs ils défendent pas, ils neutralisent pas. On vient, on fixe, on approche. L'espace il est ouvert, foncez dedans les gars. Première attention, si c'est ouvert. Et pour ça il faut mettre du rythme. Ok, ensuite en défense, là on commence à reculer. Les mecs ils arrivent tranquillement là dans les 9 et là ça se joue au-dessus de la tête. Remettez un peu d'impact. D'accord ? Allez. Des consignes soigneusement observées pour voir déjà la domination s'installer et afficher un marquoir de 8 contre 20. La domination congolaise est perceptible dès la première période. En seconde période, c'était une équipe de la RDC en difficulté et une équipe zambienne plus que motivée. Tenace était-elle ? Aurélien Tshitombi et compagnie ont eu fort à faire pour faire sauter les verrous des Chipolopolo Boys. L'avantage au marquoir étant considérable, les efforts de l'adversaire ont été presque inaperçus. Gauthier Vumbi, le dénommé Shaquille O'Neal du handball, a apporté aussi sa part dans cette belle entame. La Zambie a montré ses limites et la RDC s'en sort vainqueur en attendant son prochain adversaire.